je m'appelle Ellie Smith. Je suis d'abord content de voir l'organisation que vous avez ici. C'est propre parce que quand vous allez dans d'autres médias ici, ça ressemble un peu à un désordre. Je ne voudrais pas dire que poubelle, mais c'est très propre. Hein? Et puis l'accueil aussi est professionnel. Et que vous avez un climat comme aux États-Unis. Je vous vois causer avec votre patron. C'est comme si on était à Silicon Valley. Donc, je suis très content d'avoir eu l'occasion d'être invité par votre chaîne. Vous avez fait quelque chose qui est très important, je dois noter. C'est cette solidarité vis-à-vis les peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui montre qu'au-delà des divisions politiques, que nos compatriotes d'expression francophone, au-delà de ce que nos autres compatriotes fâchés qui sont à l'étranger croient que il y a une guerre linguistique, il n'y en a pas. Moi, je suis vraiment, vous ne pouvez pas savoir ce que vous m'aviez fait pour être content qu'un média majeur a lancé un élan de solidarité. Et moi, je suis venu donner mon soutien en tant que le porte-parole et coordinateur de l'Anglophone General Conference, de donner notre soutien à cette initiative. On a toujours dit, il faut dire la vérité, que ce problème, oui, c'est un problème sectoriel anglophone, mais l'anglophone ou les zones anglophones font toujours partie du Cameroun. Donc si vous avez une partie de votre corps qui est malade, donc tout le corps est malade, donc le Cameroun est malade, et je remercie ce que vous aviez fait, ça démontre que, au-delà des différences politiques, nous restons toujours une famille, et dans une famille, nous pouvions arranger les problèmes.